Je m'appelle Reda et je suis humoriste et je joue en France et en Algérie en français. Quand je joue en Algérie, je dois toujours traduire mon spectacle en dialecte algérien afin de toucher un plus grand public. Tous les Algériens parlent et comprennent le français. Malheureusement, avec le contexte et l'histoire coloniale qu'il y a eu, aujourd'hui, il est difficile de monter sur scène et de parler français sans être pris pour un traître, en fait. C'est paradoxal, c'est vrai. Parce que les Algériens, dans la vie de tous les jours, parlent français sans se rendre compte. J'ai demandé à un ami s'il ne trouvait pas que nous, les Algériens, à chaque fois qu'on parle notre dialecte, il y a forcément un mot de français. Il m'a regardé, il m'a dit « Non, jamais !» Pourtant, au-delà de cette image compliquée de la langue française, elle permet vraiment d'enrichir le vocabulaire et d'avoir un humour encore plus large. Et qui dit Algérie, du humour. Une phrase sur deux, c'est une blague, c'est une vanne. On a vécu une guerre de révolution, une guerre civile. Si on est encore vivant, c'est grâce à l'humour. C'est l'humour qui permettra de sauver la société et surtout cette jeunesse de l'ennui. J'ai eu la chance de la rencontrer cet été parce que j'ai traversé l'Algérie de l'ouest vers l'est en autostop. J'ai rencontré des gens avec une fibre artistique mais fabuleuse. On leur dit pas dans la vie de tous les jours qu'ils peuvent en faire leur métier. Ma proposition serait de faire des masterclass partout en Algérie avec tous les jeunes qui pensent avoir une fibre humoristique et que ça soit fait par des humoristes francophones. Ça permettrait de développer cet humour qui allie parfaitement la langue française et la culture algérienne.